Salut à toi, aujourd'hui j'ai pas trop envie de me prendre la tête et je vais faire une vidéo annonce, alors peut-être y aura pas trop de coupes, tu vois le décor est pas pareil que d'habitude, etc. etc. Bon, voilà. Alors je vais t'expliquer deux ou trois petits trucs qui vont se passer sur la chaîne d'ici les prochains jours. J'ai peut-être mis un titre putaclic, mais je t'annonce direct qu'il est faux. Seulement, ça veut pas dire qu'il n'y a pas des trucs excitants, hein. Alors déjà, je voulais commencer par rappeler le planning parce qu'il y a plein de gens qui me demandent et qui savent pas quand les vidéos vont sortir. Alors, tous les mercredis à 18h, les vidéos sortent. Et en plus, à partir de samedi prochain, il y aura des vidéos supplémentaires à cet horaire-là. Je pense que je la sortirai samedi vers 20h. Sinon, je me suis dit que ce serait sympa de faire des lives. Alors, ça fait un petit moment déjà que j'y réfléchis dans mon coin. Et je suis arrivé à un truc assez sympa. Une soirée un peu sur le thème des petites réflexions sportives. Je sais pas si. Enfin, ça doit te dire quelque chose puisque tu suis la chaîne. En gros, le thème, ce sera le Seigneur des Anneaux et je te propose de venir réfléchir avec moi au sujet que je vais aborder dans la prochaine vidéo qui aura justement ce thème-là. Bon, c'est pas très clair. Alors, pour résumer, je vais faire une vidéo des petites réflexions sportives avec le thème Seigneur des Anneaux. Et pendant le live, je te propose de venir faire tes propositions, enfin, discuter avec moi des sujets que je pourrais aborder dans cette vidéo. Par exemple, à tout hasard, combien de calories il faut pour qu'un hobbit parte de la Comté et arrive jusque dans le Mordor? C'est qu'un exemple. Ah oui, puis sinon j'essaierai de m'arranger pour monétiser ce live. Enfin, attends, je t'explique. En gros, comme déjà beaucoup de youtubeurs le font, tu pourras faire des dons. Mais je te force à rien et tu peux suivre le live gratuitement. Ça t'amène pas des privilèges supplémentaires. Mais c'est parce que j'ai un projet en ce moment. Tu vois, la caméra que j'utilise, elle est déjà pas mal. Je m'en plains pas de façon générale, même s'il y a quand même pas mal de petits défauts. Par exemple, elle coupe, et puis en plus, il n'y a pas de retour vidéo. Et c'est un peu problématique parce que des fois, je suis pas bien cadré, ou je suis un peu flou. Enfin, j'essaie de corriger ça, mais c'est pas évident. Déjà, rien que la semaine dernière, j'ai dû retourner 3 vidéos. Et puis, elle est pas très pratique parce qu'il n'y a pas d'autofocus, ni de stabilisation intégrée, etc. etc. Dans l'idée, j'aimerais bien faire des vidéos un peu plus ambitieuses et j'ai envie pour ça de me prendre un nouvel appareil photo. Enfin, caméra, c'est exactement la même chose. Et pour ça, bref, si j'arrive à revendre ces équipements-là, je pense que j'en aurai pour environ 250-300 euros. Donc dans l'idée, si tu veux m'aider à faire des vidéos de qualité plus vite, tu peux donner. C'est vraiment pas obligé, mais tu peux donner. D'ailleurs, j'ai un Tipeee pour ce genre de choses-là. Ah d'ailleurs, j'allais presque oublier de le dire, mais le live, ce sera dimanche soir prochain, vers 19h. De 19 à. Je pense que ça durera une, 2 heures, peut-être plus, peut-être moins. Je suis pas habitué, faudrait être indulgent. J'allais faire ma conclusion et j'ai complètement zappé de te dire un truc. Les vidéos qui sortiront tous les samedis soirs, ce seront des vidéos sur les vêtements. Et ce sera que pendant 3 semaines. Et oui, ce sera sur les vêtements, mais t'inquiète pas, ce sera pas non plus un vlog beauté. C'est simplement apprendre à s'habiller et à choisir de façon correcte ses vêtements quand on est musclé. Donc ça s'adressera principalement aux hommes. Bon, les filles, vous avez déjà de quoi faire niveau mode ailleurs sur internet, je pense. Bon, j'en ai tourné une série de 3, mais j'en tournerai probablement d'autres. Je peux juste pas te garantir quand. Et puis aussi, ça dépendra de leur succès. Et voilà, j'ai encore oublié un point et je m'en rends compte au montage. Donc je suis obligé de parler à mon micro en voix off. Je suis désolé. À terme, j'aimerais bien que la chaîne prenne un peu plus d'ampleur et pour ça, je peux compter que sur toi. Bon, je vais pas te demander forcément de contribuer sur Tipeee ou même de participer dans le Discord. Mais ce qui serait cool et ce qui me ferait vraiment plaisir et ce qui serait vraiment utile en fait à la chaîne surtout, c'est que tu partages les vidéos et que tu en parles autour de toi. Je sais, je l'ai déjà demandé, mais c'est vraiment important pour moi. Si tu veux me donner d'autres idées en commentaire pour développer la chaîne, par exemple faire des feats avec des gens, je suis preneur. Le truc c'est que, faut voir avec qui. Et si t'as des plans, n'hésite pas, mais c'est un peu compliqué. Et sur ce, prends soin de toi et à la prochaine.